Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rock of Age 2. Voilà, c'est parti. J'ai dit que j'allais commencer donc par la course d'obstacles ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais ça vite fait, il y en a pour genre 2-3 minutes. Et ensuite, on se fait le premier boss. Allez, c'est parti. Je me souviens plus de ce niveau, je sais que je l'ai fait, c'était un des premiers. Est-ce qu'il y avait besoin de cut ou pas? Dans le doute, je prends la vache. Si dans le doute, je prends la vache, on verra. Ah, il a pris le ballon en plus, du coup, ça va être équitable. Ça va être équitable, les amis. Hop. 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 Ouf, j'ai failli tomber sur un baril explosif, ça aurait été assez chaud. Là, c'est tendu ce que je veux faire, mais on va le tenter. Hop. Hop. Ça passe? Oh! Oh, ça passe! Ça passe! Oh, les gars, ce round était propre. Ce round était juste parfait, quoi. Et mais, je pense que là, mon adversaire, il était clairement super loin de moi. Oh, mon gars! Ce round, il était tellement impeccable. Il a toujours le ballon, ouais. Ok, donc là c'est pas du tout le même niveau. Par contre, ils ont pas mis les mêmes protections. Et là, ça m'avantage pas. Oh là là, c'est tendu. Hein. Là, ce qu'ils ont fait, c'était tendu. Hein. C'est bien joué en fait les moulins comme ça aussi. J'y avais jamais pensé. Genre, tu mets le moulin. Et juste devant, en fait, du coup, on repousse sur les tremplins. C'est pas bête. Alors, faut faire gaffe parce que du coup. Voilà, les cuts, je sais pas trop. J'ai pas les notions de là où je vais tomber, donc c'est super chaud, mais ça va. Ça se gère vachement bien avec ce boulet. Ça, vous voyez, je pourrais pas du tout prendre ce chemin avec le boulet normal, hein, clairement pas. Donc là, j'avoue que c'est un avantage considérable. Allez, il a toujours le ballon. Normalement, ça devrait se faire tranquillement. C'est quel niveau celui-là? C'est encore le jaune, donc c'est celui que je viens de faire, logiquement. Oh non, prends pas la vache. Ouais, ça par contre, ça va me ralentir. Ouais, non, c'est pas du tout le même niveau en fait encore. Bon, voilà. Ok, bah c'est parti pour les cuts. Ils ont pas l'air de les avoir bloqués. Wow, wow, wow. Oh là là! Énorme, hein. Trois fois d'affilée, j'arrive à les prendre genre à la perfection. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Bon ben voilà, c'est fait. Donc c'est ce que je vous avais dit, on est à combien? 3 minutes de vidéo. 3 minutes, c'est fait. Je vous avais dit 3 minutes. Je vous ai pas menti. J'ai 10 étoiles, je vais affronter le boss. Pam pam pam. Mais attendez, genre, est-ce que... Donc après, je peux déverrouiller ce que je veux, en fait. Genre, je garde mes étoiles. Ok, ouais, c'est cool. Donc, je pourrais quand même aller à droite et tout. Allons-y! Mer Celtique. Ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé. Pour mon premier boss. Ok. Ça me fait penser à Frogger, ça, ce jeu-là. Ok, là, je pense qu'il m'explique ce que je vais devoir faire. Faut que je saute de truc en truc, ok, pour avancer. Ce jeu, je sais pas si vous avez connu le... C'était un ancien jeu, la Frogger. C'est un très très vieux jeu. Et vous aviez justement... une grenouille qui devait sauter comme ça de... Bah de ligne en ligne, comme ça justement sur des véhicules et tout. C'est exactement ça, c'est le jeu Frogger là qu'on a en fait. Et donc là j'ai pas le choix du ballon forcément. Et le problème c'est qu'il faut pas que je reste trop longtemps sur celui-ci. Oh my god! Oh non, mais il triche lui! Si je reste trop longtemps sur un truc, en fait, après il sort de l'écran logiquement. Et c'est loose. Donc il faut que je me dépêche en fait d'aller sur chaque chose, voilà, en avançant. Je pense que vous avez compris le principe. Et surtout si vous connaissiez déjà le jeu Frogger, c'est exactement ça. Par contre, c'est tendu là. Hop, on va tenter d'aller là-bas. Oh! Ouais, mais ça c'est triché.
Oh, c'est des trichets. Allez, remonte. Allez. Ah mais du coup, je peux avancer par l'eau. Ah mais ça va, je pensais que j'allais mourir en fait. Mais ça va, c'est assez permissif. Je vais prendre ça. Ah non, 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 je suis tombé. Remonte. Remonte. Ah mais j'aurais voulu me propulser sur quelque chose et là il y avait rien. Ah bah nice, ça m'aide ça. Voilà, là. Faut que j'aille où? Il est là-bas. Hein. Allez, bam! C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Ok, donc faut que je le refasse maintenant, il est à un endroit différent, c'est ça? Hop, monte, monte, monte. Ah, je savais que j'allais être trop gourmand là-dessus. J'étais gourmand. Bon, en vrai, c'est assez gentil, hein, le fait de pouvoir remonter et tout. Genre, je m'attendais vraiment à ce que ce soit carrément punitif, en fait, et pas du tout. Pas du tout, du tout. Va falloir que j'attende qu'il y ait du passage. Hein. Regardez le bateau là-bas. Comment je fais là? En fait, faudrait que j'aille. Attendez, je vais le tenter comme ça. Ouais, non, en vrai. En vrai, je vais attendre. J'attends le bateau. Allez, passe. Nice. C'est fini? C'est fini. Dragon. Succès déverrouillé, dragon de sphère, ok. Donc c'est ça, le dragon des mers est battu. C'était le premier boss. J'ai eu mon étoile. Enfin, je pense que c'est un dragon des mers, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Hein. De toute façon, oui, si j'ai eu le succès du dragon, c'est que c'est un dragon. Et vu qu'il est dans les mers, dragon des mers. C'est QFD. Le mec il se tape son truc tout seul. Bref, bah c'est cool, premier boss réussi. Il est sympa. C'était assez facile, franchement c'était assez facile. Voilà, on pouvait pas trop lose. Mais ouais, c'est bien, c'est bien. Je pense que si, sinon ça aurait pu faire rager quand même de devoir tout recommencer à chaque fois. Bon là ma question c'est par où est-ce que je vais. Je pense que je vais aller à droite parce que je vois qu'il y a un truc avec 5 étoiles. Ah mais non, je peux pas y aller. Ah, comment on y va? Ah c'est par là. Je vais passer par là, je vais y aller. Parce qu'il y a un truc à 5 étoiles, donc je pense que j'aurais dû passer par là avant. Même pas, en fait, j'aurais dû faire le tour. Truc pas relou du tout, vous savez. D'ailleurs, il y a un petit plus 1 si jamais je fais le prochain boss, vous avez vu. Et du coup, le plus 1, à mon avis, sera pour avoir un piège de plus. Et ça, c'est vachement avantageux. Notamment, justement, quand on joue en multi ou quoi. C'est assez sympa. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, il faut que je passe par là. Allez. Bah, let's go. Le niveau a l'air plutôt sympa, en plus. Mais lol, c'est ridicule au plus haut point. C'est n'importe quoi. C'est ridicule, mais tellement.
Allez, bah c'est parti. On va aller s'affronter. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Est-ce que je me tente du coup le boulet armure? Oh là là, mais le temps pour apparaître est encore plus abusé. Par contre, niveau force. Ah, par contre, il n'y a pas de vitesse, mais avec la force que j'ai et les dégâts que j'ai, logiquement, je dois faire plus de dégâts, je pense. Je vais le tenter. Je vais le tenter ce boulet. Je vous avais dit que je tenterais un petit peu tout, donc voilà. Je vais tenter donc les trébuchets. Je vais remettre des catapultes. On va remettre sur. Ah, les canons. Je me remets sur du full distance ou quoi? Les mines, toujours, c'est pas mal. Bon, et après, les éléphants font quand même du taf. Vas-y, je vais le faire comme ça. Ça va être tendu, hein, ça va être tendu, mais... Ah oui, en plus, j'ai pas vu le niveau. What? C'est quoi ce niveau dingue? Comment je vais positionner mes catapultes, là? C'est pas évident là, c'est pas évident. Alors attendez, parce que les canons en fait ça peut les empêcher. Je sais pas s'il va tirer en haut. Ça peut l'empêcher d'avancer en fait, comme ça là, ça peut être bien. Au moment où il va sauter, vous voyez ce que je veux dire? Le canon peut lui tirer dessus. Ça peut être plutôt cool. Là il y a une mine par ici par contre, qui risque de se faire casser, mais à tout moment. Du coup je vais la cacher un peu. Hop, là comme ça. Du coup. Ouais, le trébuchet, c'est tendu à caler quand même. C'est tendu à caler sur, enfin, sur cette map, quoi. C'est pas. Je sais pas trop comment le mettre. Bon, écoutez, déjà, je vais aller me mettre vers la fin. Mais j'ai plus d'argent donc on va le tenter comme ça. J'aurais bien mis un trébuchet quand même, genre vers ici. Bon voilà. Je promets rien pour cette partie, hein. Après le niveau a l'air sympa mais pas évident. Surtout avec les pièges qu'il peut mettre, ça peut vraiment me. Ouais, ça peut vraiment me gêner, on va voir ça. Bah écoutez, start quand vous voulez. A priori, l'autre n'a pas encore start, donc je sais pas, il a peut-être le même boulet que moi. Ah, il a pas le même que moi, mais il en a un que je connais pas, ça se trouve c'est un équivalent du mien, du coup, niveau timing. Oh là là, oh là là, mais je vais jamais réussir. Ah non, il y a un petit truc au-dessus. Ah, mais je crois que c'est le boulet qui vole, là, qu'il a. Attendez, non mais, déjà, si je peux pas passer le premier saut, c'est bien ça, le premier saut. Oh, je vais prendre trop cher avec ce boulet, les gars. Oh, je vais prendre trop cher! C'est pas maniable du tout! Je vous jure, c'est pas maniable, les gars. Je fais pas de la comédie ou quoi. Je suis peut-être pas très doué, ok, mais. C'est pas maniable du tout, en fait. Là, ça me fait flipper. Est-ce que j'aurais pas un moyen de cut? Genre, bon, ouais, avec ce boulet-là, je pense que les cuts, c'est pas la meilleure idée. Mais vous voyez, à droite? Mais à droite, il y avait tellement moyen de cut avec un autre boulet. Voilà. Je voulais essayer d'aller directement en face, mais pareil, ça l'a tendu. Hop. Ah, en tout cas, je sais pas quel boulet il a, je l'avais jamais eu encore. Jamais vu. Mais il avait un truc. Il avait une auréole. Et du coup, l'auréole, je crois vraiment que c'est l'auréole du boulet qui peut voler. 187 dégâts. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais ouais, non, franchement, le début est beaucoup trop compliqué pour ce boulet, hein. Vous avez vu comment je suis tombé d'entrée? Alors attendez. Ouais, je suis obligé de passer par là, on est d'accord, j'ai pris le bon chemin. Hein. Je vais essayer un truc. Ouais, non, même pas, ça passera pas. Je sais pas si ça peut tirer au-dessus, honnêtement. En fait, le problème, c'est que. Vous voyez, j'ai pas l'occasion de voir si mes pièges fonctionnent bien ou pas, comme je les positionne, donc. Bon, voilà, hein, j'ai mis pas mal de pièges déjà, hop. Paume. Ah, dommage. Là, je l'aurais touché, j'aurais pu le faire tomber éventuellement. Thank you.
Voyez comme ça. C'était parfait. C'était juste parfait. En fait, le problème de ma défense actuelle, c'est que j'ai aucun ralentisseur. Ouh, ça c'est joli par contre. Ça, je les ai bien placés, vous voyez. C'est le problème, c'est que j'ai pas de ralentisseur en fait. Il faudrait que je le ralentisse un petit peu plus que ça. Bon, on va à gauche. Mais mon petit... Mort de rire, quoi. Avec sa baliste, en vrai, je passerai jamais, hein. Oh! 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 Je contrôle plus rien. Je sais pas où est-ce qu'il est, l'autre, je le vois dans les airs. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé, j'ai pas trop vu. Vous voyez, à droite, il y a vraiment un cut fait exprès, mais... Oula. Hop, ça passe. Oh, oh, j'ai réussi à tomber, très bien. Très bien, très bien. L'autre a l'air d'avoir pris un petit peu cher quand même. Il a pas le même boulet que juste avant par contre. Bon, l'avantage du boulet que j'ai là, c'est que je peux casser les défenses, mais comme je veux par contre. Hein. Et regardez, en plus je l'ai rattrapé. Hein. Regardez, je vais arriver à peu près en même temps que lui. 182, moi au prochain coup, normalement, c'est sûr, c'est fini. Donc peut-être qu'il faudrait que je mise sur le fait de le ralentir un petit peu, peut-être vers la fin déjà. Ouais, mais il a déjà tué plusieurs de mes éléphants. Bah forcément, hein, ici. On va être full éléphant, de toute façon. Là, il faut que je ralentisse. Et j'ai plus de thunes, mais il faudrait que je mette des éléphants aussi pour ralentir là où j'ai mis des canons et tout ça, je pense. Des catapultes et tout. Voilà, bah écoutez, moi je peux pas faire grand chose de plus là actuellement. Il a cassé des trucs là, non? Putain, ouais, j'ai perdu masse de trucs en fait, j'avais pas vu. Non, bah là, il faut vraiment que je joue sur le fait d'arriver avant lui, hein. C'est quand même serré les parties alors que je suis juste en mode... Enfin, je suis en normal, quoi. Il y a facile, normal, difficile. Bon, c'est normal, c'est pas non plus facile, mais... Mais en difficile, ça va être tendu, je pense. Après, je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir sur vraiment les pièges qu'on prend pour qu'ils aillent ensemble et pour vraiment freiner l'adversaire, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'actuellement, je réfléchis plutôt sur le fait de prendre des pièges pour vous montrer des nouveaux pièges. Que sur le fait qu'ils aient bien ensemble ou quoi. Et comme il y en a certains que je connais pas non plus, c'est vrai que c'est... Bah je les mets un peu n'importe comment des fois en fait. Ça va, j'ai réussi à lui mettre l'éclair avant de partir. Voilà, ça me fait tomber à chaque fois en fait, je peux rien faire. Enfin ainsi, faudrait que je tempo en fait au début. Faudrait que je tempo, en plus je le sais et je le fais pas, c'est dommage. Et vous voyez à droite, c'est mon parcours à moi. Vous voyez en jaune. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit les deux parcours du coup, rien qu'ici. Oh mais. Ok. Vous voyez, je vois mon propre parcours en fait à côté, c'est marrant. Ah bon, ça va être compliqué, hein. Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il arrive avant moi là. Je ralentissais tout le long, je pouvais pas. Il en est où lui? Il en est loin. Non mais. Ah ouais, c'est compliqué. En plus, j'essaie de regarder l'autre en même temps, je devrais pas. Je devrais pas parce qu'au fond. Ah, peu importe, je fais mon jeu, je verrai bien s'il arrive avant moi. Oh là là, c'est compliqué. J'avoue que là les murs par contre sont bien positionnés parce que du coup on voit pas trop le chemin. Attendez, il en est où lui? Je le vois plus. Il est mort? Je sais pas ce qui s'est passé mais je pense que je l'ai tué. Hein. Je pense qu'il est mort. Je sais pas comment il est mort parce que je pensais pas du tout avoir. Ouais, je sais pas, il redémarre déjà. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Bah vous du coup avec la vidéo vous pourrez le revoir et savoir ce qui s'est passé. Moi je sais pas ce qui lui est arrivé à l'autre là.
Il a dû mourir. Hein. Il a dû mourir. Bon, j'ai dit que je referais tout du coup en course d'obstacles aussi, donc je vais le faire directement. Hop, comme ça c'est fait. Sachant que j'ai un nouveau boulet, j'ai vu, je sais pas du tout ce que c'est. C'est bah, celui qu'il avait, le Angélique. Ses ailes magiques lui permettent de faire un double saut. Donc voilà, c'est lui que je disais qu'il pouvait voler. En fait, c'est pas qu'il peut voler, mais c'est qu'il peut faire un double saut. Je vais le tester du coup. Il est classé en tout cas. Hein. Il est stylé. Attendez, du coup, est-ce que... Oh, c'est OP. C'est OP, c'est OP. Ah, regardez, en fait, il faut pas le faire constamment. Mais c'est tellement OP, par contre, quand il peut le faire. En fait, il faut que j'attende d'avoir l'auréole de nouveau pour pouvoir le refaire. Ouf. Vous voyez, là, j'ai l'auréole qui est revenue. Ça y est, je peux le refaire. Ouais, bah là, du coup... Non, ça va. Ah non, pas ça, par contre. Voilà. Ah, c'est trop OP, ça. C'est vraiment pas mal, le petit double saut, ouais. Donc, salut, je savais qu'il y avait des ailes, en fait. Donc, je savais pas à quel point il pouvait voler. En fait, c'est juste un double saut. Et en plus, c'est que quand il y a l'auréole. Donc, c'est pas non plus trop OP. Mais il y a des niveaux comme celui-ci où ça va être quand même bien. Genre, dès le début, les gars... Voilà quoi. Voilà. Wow, doucement. Ok. Oh, faire des courses par contre. Là, faire des courses en multijoueur avec ça, ça doit être vraiment épique. Après, j'avoue qu'on avait testé vraiment à deux. Après, on avait fait du 2v2 et tout contre l'IA. Ah, par contre, lui, il va être relou. Non, je peux rien faire en fait, je peux plus bouger. Ok. Mais genre là, de faire genre des parties à 4 en course par exemple, ça doit être vachement stylé, ouais. Oh nice! Ah nice, il y a une justice! Vous imaginez à 4 une course, genre ouais, ça doit être vraiment classe quoi. Sinon on l'avait fait à deux, du coup on avait fait du 2v2 contre l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on est que deux à l'avoir dans la team, donc là on a pu tester tous les modes, mais comme ça. Hop, c'était où le cut de dingue là que j'ai pris tout à l'heure? C'est là non? Ah oui bah là, là c'est mort. Hein. Là, je pense que j'ai vu un peu grand. Enfin, c'est le code que j'ai pris tout à l'heure, mais en fait, la différence, c'est que tout à l'heure, je m'étais pas fait ralentir. Mais non, mais quoi? Mais non. Mais non. J'ai trop mal joué. J'ai pas le droit. Je fais n'importe quoi ce round-là. C'est lose, hein. Là, c'est clairement lose. Faut que je tente le tout pour le tout en fait là. Allez! Ah, j'ai pas de chance. En fait, j'ai misé sur le fait que mon auréole allait revenir pendant le saut. Parce que je savais que c'était mort et du coup, non. Dommage. J'ai vraiment très mal joué ce round là, il faut le dire. J'ai été très mauvais. Là, c'est ma faute. La défaite était clairement méritée. Allez. On va le retenter. Bam. Oh, ça c'est OP. Ah non. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même passé le passage. Je vais être re-TP là et même avec ça. Ah non, ils m'ont remis en arrière du coup. C'est de l'arnaque là. Là techniquement j'étais devant. Hein. Ah mais du coup ça me refait comme tout à l'heure parce que ce passage là après est trop chaud à repasser avec ça, je vais trop vite. Mais c'est de l'arnaque! Franchement, tout à l'heure j'étais passé. Je proteste. Allez. Ouais. Non, franchement, j'étais passé. Ils m'ont remis en arrière alors que j'avais touché le sol en face, quoi.
Enfin, j'ai touché la mine. Peut-être que la mine, du coup, c'est pas compté quand le. C'est pas considéré comme le sol, du coup, je pense. C'est n'importe quoi là, ce passage c'est n'importe ce qu'on fait. Allez, j'ai moyen de gagner, faut juste que j'aille tout droit en fait, donc let's go. Allez, c'est parti. Bon, ça va, j'ai quand même gagné. J'ai quand même gagné, mais j'ai vraiment pas bien joué cette partie là par contre. Autant la première course que j'ai fait là tout à l'heure, ça va. Genre j'ai réussi à prendre des beaux cuts et tout, autant là. Ouais. Autant là, j'ai galéré, mais vraiment. Mais c'est pas grave parce que j'ai réussi. Donc j'ai la catapulte. Non, la balista. Nice. D'accord. Donc j'ai la baliste. Ça c'est cool. Il y a un autre boss à faire ici. Il y a un petit plus en après. Mais je pense que je vais me réserver à un boss par vidéo. Ce sera plus sympa que d'en faire plusieurs et de. Ouais, je pense que ce sera mieux. Parce que vous en pensez vous. Mais moi je pense que c'est bien. Et je vais faire ça. Je vais faire ce niveau là. Du coup on s'arrêtera sur ce niveau là en course d'obstacle après. Ouais, parce que faire plusieurs boss, bah, je trouve ça dommage quoi. Si je peux en avoir un par vidéo à peu près, c'est sympa. Ça fait un peu le boss de la vidéo, vous voyez. Je sais pas combien il y en a en tout en fait donc. Mais j'avoue qu'il y a des cinématiques, mais... Ils vont chercher de ces trucs. Allez, ça commence, let's go. Alors, j'ai quasiment tous les pièges, hein, mine de rien, il m'en reste plus que deux à déverrouiller. Je connais pas le niveau, mais j'ai l'impression que le double saut me serait utile. D'autant que je fais quand même des dégâts avec ça. Par contre, le temps pour l'utiliser, c'est ça, c'est assez long. Je ne connais pas le niveau. Est-ce que... Allez, je vais partir là-dessus. Je l'enlève, je le mets. Les balistes, ça a l'air bien quand même. Baliste, catapulte, baleine. Enfin, je vais reprendre mes banques après. C'est quoi ça vide? Ah non, mais c'est quand... Ok, okay. Ah, c'est bon. Alors, quel est ce niveau? Ok, alors là, vous voyez déjà, première chose que je vois, c'est que les deux terrains se croisent. C'est-à-dire que si mon adversaire a le même boulet que moi, il y a de fortes chances pour qu'au milieu, on se croise, en fait. Tout simplement. Bon, lui, il me met des canons ici. Ok, très bien. Je lui mets des canons en face. Non, pas du tout. non, pas du tout, mais par contre... Alors déjà, comment ça marche? Tu spawns là, déjà d'entrée, tu spawns... En fait, ça va être très relou si je le chope déjà ici, en plein saut. Là, ça va le saouler en fait. Genre, si à chaque saut il se fait choper par les baleines, ça va être un truc très relou. Je vais le tenter, on verra bien si ça marche ou pas, mais je pense que ça peut être bien. Pourquoi? Ah, j'ai plus d'argent. Bah oui, c'est déjà ce qui arrive. Et vu que j'ai pas placé mes mines, y'a pas de mine. Y'a pas de mine sur cette map, je crois. Ah, si. Mais il y en a qu'une, non, il y en a une autre là-bas. Ouais, puis le mec qui vient lui casser les mines, c'est qu'il a vraiment envie par contre, hein, ça. Bon, bah voilà. J'ai rien mis pour ralentir la fin par contre, mais bon. Bon, on va voir, il a toujours pas débuté, c'est qu'il n'a peut-être pas un gros. Enfin, il a peut-être le même type de boulet que moi. Plutôt, donc on va voir. Après, en fait, j'ai pris l'angélique, mais je vois pas de cut, hein. Si en fait, là, si je passe ici à droite et que je prends mes ailes, je peux cut ici de dingue, mais dès le début, mais je sais pas si j'aurai assez de vitesse, ça me paraît chaud. Par contre, mon piège marche plutôt bien. Oh 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 oh!
Alors ça marche, mais c'est très chaud de retourner sur la gauche en fait après. Je pense que c'est faisable, mais c'est tendu. Je pense que c'est tendu, donc peut-être que je devrais le faire normalement déjà. Ah ouais, alors ça par contre... Oh, ça, ça dégomme. J'aurais dû les casser d'ailleurs. Ce qui bouge en plus les temps, quoi, je sais pas. Ah, j'aurais pu tellement cut là-bas, mais j'ai pas osé. Après, ça va, l'autre a l'air de galérer aussi. C'est-à-dire que j'ai un boulet plus lourd que le sien et je vais quand même arriver avant lui. Donc, partant de là, en fait, c'est free win. Hein. Si j'arrive à conserver ça. Bon, 148 de dégâts, c'est pas non plus ouf. Hein. C'est pas non plus excellent, mais voilà. Ouais, il est déjà là, je peux plus rien faire de toute façon pour le gêner. Non, je l'ai mis à l'envers. Je peux pas le refaire. Je voulais pas. J'ai mis à l'envers. Bon, ça a l'air de marcher quand même, mais ouais, c'est pas ouf. Du coup. Ouais, alors moi je repars quand même sur cette idée-là qui marche plutôt bien, je trouve. Surtout qu'au final, s'il a tué un de mes dauphins là. Bon, en vrai, le cut est quand même chaud que je veux faire. Hein. Je vais peut-être pas le retenter, mais. Mais il y en a d'autres qui sont possibles. Après, j'avoue que sur le moment. On ne maîtrise peut-être pas tout non plus. Bon, il y a quand même une baliste là. Ok, parce que. En fait. Ouais, c'est-à-dire que de là, en fait, je peux cut jusqu'à la droite aussi, mais pareil, c'est tendu parce que je vais avoir une accélération qui va me faire tomber dans le vide. C'est compliqué quand même de cut. Hein. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est ce dont je parlais, que j'allais tomber dans le vide après, en fait. C'est exactement ici. Allez, on va casser ses tanks, lui, déjà. Voilà. Faut que j'aille où là? C'est en face? Ouais. Je pense que c'est là, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là je pourrais aller en face, pareil, mais c'est le genre de cut qui va me donner trop d'accélération et je vais tomber dans le vide en fait après. Je suis pas certain que ce soit très rentable. Il va me falloir deux autres voyages, hein, a priori. Où est-ce qu'il en est, lui? Là. Ça, c'est propre. Oh non, il l'a tué. Nice. Ah ouais, mais c'est le château en plus là. Ah du coup il a cassé. Ah non, il a cassé mes deux balises direct. J'ai mal joué. Et ça peut faire full dégâts ça en fait, hein, peut-être. On verra. Il m'a mis combien? Non, ça va, je suis quand même bien. Je suis quand même pas mal là. Là cette partie elle devrait se faire assez facilement. Faut juste jouer safe en fait, hein. J'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment le choix. Allez, je vais pouvoir partir, ça va. J'étais tellement lent qu'il m'a loupé.
explose pas mal hein, par contre là. Et j'avoue que son mur par contre j'allais pas voir qu'il y avait un saut. J'ai failli ne pas le voir. Ah mais vous voyez ici je prends tellement de vitesse en vrai. Je pense avec le ballon. Avec le ballon il y a moyen de prendre le cut que je voulais prendre au tout début. Et de le reprendre du coup derrière. Je pense que le ballon là il passerait large. Mais là le double saut ça passe pas. Oh je suis dans un état. C'est pas grave hein. Quoi que si c'est grave. Faut encore tirer dessus. Oh l'enfoiré. 98, je suis même pas sûr de l'avoir au prochain coup là. J'aurais peut-être dû casser ses chars ouais. Ah non mais encore une fois je mets les murs alors qu'il est pas passé, il va me les détruire de suite quoi. Bah oui. Ça fait souvent avoir avec ça. Bon, faut juste que je fasse un coup sûr et c'est bon. Allez, allez, allez. Dès que je peux démarrer, c'est bon. Du coup, on se fait ça et puis je vous dis après, petite course là-dessus. Je pense que je prendrai du coup le ballon. Parce que là, je pense pouvoir le faire, le cut là. Je pense qu'il doit passer. Au moins, je le tenterai une fois. Parce que là j'avoue qu'on perd un temps de fou en fait à faire le tour. Ah. Je suis prêt à couler. Hop. Tellement cher ici. Ce passage est chaud. Ah. Regardez la vie de son château en bas à droite. Je sais pas du tout où elle est sa vie, hein, mais clairement. Clairement, c'est pas bon là. Ça va, ça a géré. Ouais, lui, il le remet de ce côté, par contre, hein. Ah ouais. Moi, je dis, il y a du favoritisme là-dedans. Ah, si, ça le renvoie sur le... Ah non, ça l'a renvoyé dans le dos, du coup. Ah ouais, dommage. Faut espérer qu'il m'explose pas là-dessus. Ça va, ça va. Bon, normalement, à partir du moment où je ne meurs pas, je ne peux pas perdre. Ok, ça commence bien. J'ai pris un de ces sales trucs déjà dans le stage. En plus, j'ai pas cassé les canons à la fin alors que j'aurais pu, hein. Enfin, les tanks. Ok, je suis déjà mid-life alors que c'est juste le début du niveau. Là, c'est chaud par contre. En vrai, c'est compliqué. Hein.
Il a rajouté des canons ici. Oh non. Oh, je vais mourir. Non. Je vais perdre. Je vais perdre à coup sûr à cause des canons là-bas. Oh, il m'a def. J'aurais dû les casser mais mille fois ces canons en plus. Là... Bah là c'est mort hein. Comment dire que là... En plus j'ai même pas d'or du coup, j'ai que dalle. Bah c'est la loose. Bah c'est la loose hein, je peux rien faire en fait, là c'est mort hein. Faudrait juste que je réussisse mes éclairs, que... Je sais pas. Je le tuerai jamais, en fait. Alors, remarque, là, si je pars de suite... On va le tenter, on va le tenter. Ouais, mais pareil, en fait, je risque de mourir, quand même. Je risque quand même de mourir, parce qu'avec les défenses qu'il a, je risque de me reprendre la même chose que tout à l'heure. Ça va, j'ai déjà pu esquiver pas mal parce que tout à l'heure j'avais pris plus cher que ça. Il en est où lui? Je pense que j'en suis plus loin que lui déjà en fait. Ok, j'ai cassé son tank. C'est pas mal, c'est pas mal. Lui il est tombé, je le vois. Non, 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 mais non. Oh, c'est ridicule, mais non. Mec trop sous pression, vous savez. On va lui exploser celui-là qui ne saoule pas. Et là, ça se fait, ça se fait, ça se fait, c'est fini. Oh là là. Eh ben. Quelle pression. Quelle pression, vraiment. Hein. Ah bah, j'ai eu la. Le boulet qu'il a, justement. Je sais pas ce que c'est. C'est le boulet saint. Le saint boulet. Alors, course d'obstacles, on va voir ça. Et on termine là-dessus. Alors, c'est quoi? C'est celui-là. L'orbe, ok. Gagnez davantage d'or pour chaque ennemi détruit si vous réussissez à porter la croix. Ah ouais, ok. Donc, pour la course, j'ai dit que j'allais prendre le ballon. Ah ouais, mais du coup, pour prendre le... Oh, ça passe pas. Oh si, oh non. En fait, c'est chaud parce que le premier saut que je fais m'amène trop loin déjà pour que je le prenne. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, en fait, c'est chaud parce que c'est le premier saut en fait qui me met un petit peu dedans. Parce que je saute déjà trop haut pour le premier. Faudrait limite que je me laisse rouler pour le premier. Mais je sais pas si ça marchait. Oh, par contre, en face, vous croyez qu'il y a moyen avec de la vitesse? Je suis pas sûr. Hein. Non, mais en plus, c'est pas en face. C'est... Oui, non, en plus, c'était pas le bon chemin, j'ai rien. C'est le chemin qui se croise de l'autre côté. Hein. Ah, par contre, je suis premier. C'est que l'autre est vraiment doué. Ironie, bien sûr. Oh, l'enfoiré. Oh, dis-moi que tu fais ton. Non. Allez, avance. Oh non. Ouais, bah au final... bah du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de retenter le cut. Hein. Je pense que si j'y vais safe, je peux gagner, mais... je pense que le cut est faisable, mais chaud. En fait, faudrait pas que je saute dès le début, et si je saute pas... Ah non, ça passe sans sauter, en fait. Alors, attendez. Ah. C'est passé! C'est passé! Alors là, par contre, j'ai pris une avance de dingue. Hein. Là, en vrai. Ouais, voilà. Bon. Je voulais juste voir par où il fallait que je passe. Non, je voulais voir si je pouvais passer vraiment serré comme ça ou s'il fallait vraiment que je passe entre les deux. Il faut vraiment que je passe entre les deux statues là à droite ou à gauche. Mais ok. En tout cas, oui, j'ai pris une avance de dingue normalement. Ça devrait passer large. What? Ça passe pas large du tout en fait.
Quoi? Mais quoi? Mais à ce point-là? Genre, je suis tombé une fois, il a vraiment réussi à me rattraper à ce point? Ok, le mec était beaucoup trop serein, vous savez. Ouais, c'est pas large et tout. Pas du tout, je vais me faire ouvrir. Hein. Oh. Ok. Bon, là, du coup, faut pas que je tombe, donc je tente pas de reprendre le cut au pire. Parce qu'en vrai, en vrai, j'ai pris le cut, c'était déjà du... C'était déjà une difficulté, en fait, en plus, que j'ai pris. Parce que de prendre le cut au début, si je le loupe, ma game, elle est finie. Maintenant, si je le réussis, ça me donne une avance, normalement, considérable, mais... Après, le deuxième, je pourrais, en vrai, mais c'est chaud. Déjà, le premier, c'est chaud. De ouf. Voilà, voilà, c'est loupé. Ah, il est chaud de dingue à prendre. Et en plus, je peux plus. C'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, si jamais je le loupe, vous voyez, ils me remettent ici. Et c'est fini. Donc là, bah, il faut que je tente le deuxième, sinon c'est mort, en fait. Et le deuxième est beaucoup plus chaud à prendre. Logique, hein. Oh là là, il est tellement passé. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pu faire un double saut aussi, c'était chelou. Ah, passe pas. C'est loose. C'est loose. C'est loose. On remarque, je le vois à droite. Ah, il est où? Oh, je l'entends derrière moi, il va me dépasser. Oh mon gars! Il était sur la ligne d'arrivée avec moi. Ok, ok, ok. Encore une chance, encore une chance. Il n'y a jamais eu une course aussi serrée. D'habitude, je les ouvre pendant les courses, mais là. Non, mais il me ralentit trop. Je vais pas le prendre, je vais pas le prendre. Je me suis fait ralentir dès le début, c'est mort. Non, non, non! Mais non, je l'ai aidé à revenir en plus. Ah, c'est bon, il est tombé. Ah, le tremplin qu'il a poussé sur moi, du coup ça m'a fait l'aider et ça m'a repoussé moi en plus. Ok, 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 allez, ça se passe. Ouais, ouais, c'est bon, ok. Je vais pas prendre le cut, hein. Je suis premier, je vais jouer l'avance. Il est pas loin. Il est juste derrière encore. Pouf! J'ai gagné. J'ai gagné, mais on peut pas dire que c'était facile. Hein. On peut pas dire que je l'ai eu facilement là. Bon voilà, en plus j'ai 15 étoiles et tout. Bah écoutez mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis le prochain, je pense qu'on va commencer par un boss. Hein. Bah ouais, pourquoi pas, hein? Par un boss ou par du multi, on va voir. On va voir si je fais un petit épisode multi au milieu, on verra bien. Bref, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Merci à tous d'avoir visionné. À très bientôt.